Salut, aujourd'hui on est au Boosterino et on va retrouver Antoine. Suivez-moi. Salut Antoine. Salut Natacha, j'ai découvert le feedback il y a quelques mois et j'aimerais bien partager ce que j'ai vécu avec toi. Et qu'est-ce qui fait que tu te sois intéressé à la notion de feedback spécifiquement ? En innovation, ça arrive souvent qu'on puisse se confondre avec le projet. Et du coup, on va prendre de tout ce qu'on parle du projet pour soi. Donc c'est important de bien séparer les deux. Ensuite, ça permet de devenir un adulte plus responsable parce que quand on a un feedback, la personne te laisse libre de prendre la décision. Et c'est quoi pour toi un feedback ? Un feedback, pour moi, c'est arrêter de traiter les personnes comme des enfants, mais comme des adultes. Passer d'une manière binaire, du compliment et de la critique, à une manière plus ouverte qu'est le feedback. Si on fait un peu de sémantique, le feedback, c'est une ouverture en retour. Donc toujours dans la bienveillance, c'est pour la personne, pour quelqu'un. Et toujours avec exigence, parce que le but, c'est de développer la personne. Dans quel but tu fais des feedbacks ? Pour l'innovation, ça permet de diffuser sa culture, notamment la prise d'initiative et le droit à l'erreur. Ça permet aussi au sein des projets de prendre de la hauteur par rapport à ses actions. Ah. Mais aussi de pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ou ce qui a été plus lors du projet. Et ça a été facile pour toi ? Oui, très bien. J'ai commencé par un atelier de feedback donné par Decathlon. Et ensuite, j'ai expérimenté de mon côté, d'abord avec une amie de confiance pour pratiquer, c'est plus facile. Et après, en montant en compétences, j'ai commencé à le faire avec d'autres collègues et à expérimenter d'autres choses. C'est quand pour toi le bon moment de faire ou de donner un feedback ? Certaines personnes se limitent aux exercices standards qui sont le AA ou le I. Et pour moi, c'est plutôt de le faire au fil de l'eau et surtout avec les personnes avec qui on travaille, ce qui n'est pas toujours le leader ou la personne qui nous anime. Donc ça peut être à la fin d'un projet, comme pour un closing, à la fin d'un exercice comme un workshop, ou encore autour d'une réunion ou d'un échange qui pourrait être un peu tendu où on aimerait avoir des retours directs dessus. J'aimerais partager 4 points importants pour moi sur le feedback. Le premier étant que c'est toujours dans la bienveillance et l'exigence, dans l'intérêt du projet et de la personne. Le deuxième, c'est qu'il faut savoir l'accepter sans essayer de se justifier. Que c'est comme le sport, il faut pratiquer pour pouvoir se perfectionner et être bon dedans. Et pour finir, c'est un peu anglo-saxon, mais il faut savoir voir le positif au maximum et le partager. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Si tu veux en savoir plus, tu peux télécharger la fiche technique du feedback et retrouver le lien d'inscription à la classe virtuelle de 2 heures dans la description de la vidéo.